Nous allons toujours continuer donc à prendre des mesures de conservation, de sécurisation de ces sites. C'est pourquoi nous avons initié au niveau de l'Agence béninoise pour l'environnement un projet de loi, et d'ailleurs c'est sur la table des députés, qu'on appelle un projet de loi intitulé « Loi littorale », et qui prévoit un certain nombre de dispositions devant permettre de réguler toutes les activités qui ont lieu sur le littoral. Toutes les activités. Alors, c'est un projet de loi portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone littorale. Donc, quand je vois zone littorale, vous imaginez un peu tout ce qu'il y a comme activité, tout ce qu'il y a comme action anthropique, c'est à réguler. C'est à réguler. La loi, là, nous permettra de réguler toutes ces activités-là, que ce soit les activités industrielles, les activités de pêche, les activités agricoles, hein, les activités de chasse, les activités minières, hein, le prélèvement du sable. Vous voyez un peu, le sable est important, d'accord, pour bâtir la cité, mais au même moment, le prélèvement, lorsqu'il se fait de façon anarchique, peut porter préjudice à la population. Donc, voilà tout ça là, les mesures donc de gestion rationnelle de toutes ces activités sont contenues dans le projet de loi que nous appelons loi littorale.